On met quoi de prévu aujourd'hui? On met quoi de prévu aujourd'hui? BO3. À 18h, mais avant. Rien. Piscine, salle de sport. Hammam. Waouh, la classe. Donc pour le moment, moi je suis en train de modérer les commentaires. Ça fait aussi partie de notre chaîne, on a pas mal de boulot là-dessus. Donc aujourd'hui, on est plutôt au calme, en mode on glande. On va bouger un petit peu tout à l'heure. Et puis voilà. Yoda est à fond. En effet, de petits jeux à la con. Trial Frontier, c'est comme Trial Fusion sur Tu téléphone. craques avec ça. Il est mortel. Bon, voilà. Eh bien, à tout à l'heure, alors. Il y a trop de trucs. Il y a 10 000 pains. Il y a... Hey, mais c'est un magasin, regarde là. Non mais genre, c'est un magasin de trucs. T'as fini, on va peut-être manger. Mais non, mais j'hallucine, s'il te plaît, laisse-moi halluciner de ce point. Bon, eh ben, bon appétit, non? En direct. Vous avez Papy Mouzeau en train de piquer un petit somme. Nous allons tranquillement perturber son sommeil. Attention, voilà la régente Madame Piscine. Oui, bonjour, je suis Madame Piscine. Ça te dit un petit sauna suivi d'un hammam et d'un jacuzzi? Tu vois, tu me dis encore, mais arrête, on est encore comme ça. Wouch, wouch. Allez, je coupe. Ça va, vous? Nous, ce soir, on va laisser donc Black Ops 3, donc le multi principalement. Et je vais regarder, il y a quelqu'un. Donc le multi principalement, donc je sais pas trop, on va pouvoir capturer. On va voir ce que ça donne. Ça fait très longtemps avec Lady qu'on n'a pas trop joué à Call of. On avait joué à Advanced Warfare, on n'avait pas trop accroché. Et j'ai regardé du coup quelques gameplays sur internet avant d'aller jouer du coup ce soir. Et franchement, ça a l'air pas trop mal Black Ops 3. Donc on va voir, en tout cas, c'est sûr que ça va plus me plaire qu'Advanced Warfare. Et voilà, hâte d'essayer. Je sais qu'il y a quelques bonus qui ressemblent un petit peu à des super. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis
Et puis voilà, on va profiter un petit peu de la soirée, puis on vous en dira donc un peu plus demain, je pense, sur ce qui s'est passé. Bye! Thank you. Bye. Donc voilà les potes, c'est parti, c'est le deuxième jour. On est mardi, donc là il est à peu près un petit peu moins de 18h. On nous attend en bas dans le hall de l'hôtel, donc là on est prêt, c'est parti avec Lady. On va aller tester BO3, on a hâte de voir ce que ça donne. On va essayer de capturer aussi, de filmer un petit peu dans la Gamescom, parce que là c'est vraiment la première fois qu'on va rentrer vraiment dans le hall de la Gamescom. Donc voilà, on va filmer un petit peu tout ça et je vous dis à tout à l'heure. Hey, what's up les potes? Donc vous le voyez, on se retrouve devant la Gamescom. Donc évidemment on a le petit pass qui permet donc de rentrer dans le hall avant tout le monde. Vous voyez, encore personne pour l'instant. D'ici 2 jours ça va être vraiment la folie, vraiment il y aura du monde partout. Donc là ça fait plaisir de pouvoir rentrer un petit peu avant. Allez les gars, on n'attend pas, on rentre. On se dit à tout de suite directement dans le hall. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne. La chaîne s'appelle Monsieur Levé 12. Je fais du Call of Duty par contre. Et j'aimerais bien gagner beaucoup d'argent sur YouTube. Et parce que je vois tous les youtubeurs, ils gagnent beaucoup d'argent. Donc moi aussi j'aimerais gagner beaucoup d'argent. Donc abonnez-vous à ma chaîne, cliquez, ne mettez pas de bloc, envoyez-moi des dons et j'accepte aussi les cartes bancaires. Merci. Oh my god. The Division, il sera jouable ou pas? All 6, ça je vais aller jouer, jouer. C'est jouable ou pas? Apparemment ouais. Oh purée. Dans la Gamescom, il n'y a pas un chat, on est mardi soir, on va directement à l'événement donc de Black Ops 3. Franchement c'est un truc de ouf, c'est gigantesque, on a marché au moins 1 km dans la salle avant de venir. C'est un truc de fou, c'est vraiment gigantesque. Donc là bon, on suit un petit peu les gens et puis on a hâte d'aller tester ça. Par contre, je suis pas sûr qu'on puisse filmer à l'intérieur, donc on vous donnera sûrement les ressentis à chaud si on peut pas. Si on peut tant mieux, si on peut pas, comme je vous l'ai dit, les ressentis à chaud en sortant.
Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette deuxième journée de Gamescom. Donc vous l'avez vu, une journée chargée en émotions. Je pense que Yoda, il a plutôt bien kiffé ses petites parties pile poil calées entre Gotaga et le V12. À mon avis, il a dû apprécier. Donc voilà, on vit des choses extraordinaires sur cette Gamescom. On a énormément de chance, on en est conscient. Encore une fois, merci à vous tous qui nous suivez de près, parce que c'est grâce à vous qu'on vit tout ça, on le sait. Et on est franchement très reconnaissant pour tout ça. Donc voilà, la fin de la journée s'est terminée en douceur. On est allé au resto de l'hôtel, on a mangé des trucs de ouf. Là, vous voyez le dessert en photo actuellement. Et voilà, et on était plutôt bien basés puisqu'on a mangé encore une fois avec le V12, avec Gotha. Donc voilà, pour nous c'est exceptionnel, c'est quand même de belles rencontres, donc ça fait plaisir et surtout on vit de très belles choses, donc voilà. Demain, grosse journée, on vous fera le débrief encore une fois, mais on a vraiment hâte parce que c'est demain qu'on teste le DLC The Tekken King. Donc voilà, on a vraiment super hâte et je crois, si je ne me trompe pas, que c'est demain aussi qu'on voit les devs. Ou après-demain, je ne sais plus. Enfin bref, gros programme encore de prévu pour demain. Donc je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. Bisous.